Est-ce que tu as voulu avoir le record de la piste la plus petite chez un entraîneur de trot? Non, pas du tout, mais si vous n'avez pas de place, tu n'as pas d'autre choix. J'ai essayé d'acheter de la terre ici, de louer, j'ai essayé tout, mais il n'y a personne qui veut donner quelque chose ou qui veut vendre, alors on était obligé de faire ça comme ça. Mais ça va changer. Comme j'avais dit, on a l'autorisation de faire une autre piste et on va faire une piste comme il faut. Quoi qu'il arrive, c'est pas un mauvais investissement que tu as fait avec lui. Ben. Tu as gagné des courses. Oui. Point de vue. Financièrement. Peut-être pas un bon investissement, mais. Une bonne publicité alors. Point de vue l'amusement. On a eu un. Déjà un peu de l'amusement avec lui. Et il est vraiment spécial. Le moment que tu entres aux pistes, il est toujours au petit galop. Tout le monde pense qu'il manque quelque chose, mais dès qu'il est parti, il ne peut pas faire une faute. On est venu sur l'hippodrome de Wargame, tu es venu travailler trois chevaux. Qui sont-ils et pourquoi être venu sur un hippodrome? Ben, on est ici avec Passe en toi, Rêve avec moi et Opéra de Josh. Ils sont ici parce qu'à la maison, la piste n'est pas assez grande. Et Passe en toi, lui, il a besoin d'un travail en vitesse. Prends les chronos, Oliven. Oui. Bien. tu m'as dit 1-4 tout à l'heure, c'est des conneries. Non, plus vite. Payer un peu la réputation qu'il y a eu par le passé dans les courses belges, c'est-à-dire les courses truquées, ils ont peut-être peur également, les Hollandais, que ça revienne et dans leur pays, non? Je sais pas, mais moi, pour nous, c'est très facile. Avant la course, je ne donne pas des instructions à personne. Tout le monde fait qu'il veut. La seule chose que je veux, qu'ils n'embêtent pas l'un, n'embêtent pas l'autre dans la course. Mais c'est tout pour la même poche. Alors, si moi je gagne ou une autre gagne, pour moi ça ne fait rien. C'est le comment je dois dire ça? C'est la totalité qui est importante. Mais eux, ils pensent qu'on fait des deals avant les courses, mais impossible. Moi, je ne suis pas Madame Soleil, je ne peux pas dire ça va aller comme ça ou comme ça. Chacun fait qu'il veut. Et
quand moi je gagne, bien. Quand un autre, mon écurie, il gagne, c'est bien aussi. Quand je gagne, je suis heureux. Je comprends parfaitement ce que tu es en train de dire. Et surtout, le fait que tu ne veuilles pas froisser non plus les organisateurs. Puisque finalement, tout est contraire. C'est des éléments qui sont contraires. C'est-à-dire que toi, tu protèges ton intérêt financier quand tu vas être premier, deuxième. Tu n'as surtout pas envie qu'il y en ait un des deux qui explose en attaquant l'autre. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est que finalement, ils se battent tous les deux, quitte à ce que tu perdes de l'argent. Ouais. Et ça, c'est un peu le problème des courses. Et moi, c'est pour ça également que le système des écuries en France, je trouve qu'il n'est pas du tout ridicule. Oh non, 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 pas du tout. Mais normalement, il n'y a pas de problème. Mais il y a... Là, il a pris trois mois quand même. Oui, 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 mais il y a quelqu'un, un joueur qui a peut-être il a joué 5 ou 10 euros. Et lui, il a fait réclamation chez les commissaires. Ils ont mis Nico 6 jours à pied. Il a eu 6 jours, mais après, la fédération hollandaise, ils ont dit oui, mais on va réouvrir la. Il faut une enquête. Ouais. Et après ces 6 jours-là, il veut encore 3 mois pour lui. Mais... Not sure I understand. Not sure.